Ok. Yo. Yo, yo, yo. Je sais pas si ça marche. Normalement, il n'y a pas de soucis. Mais bon, on ne sait jamais. Alors. Aujourd'hui, les gars, on va jouer à Minecraft. Encore une fois. Mais le truc, c'est qu'on va jouer à une map aventure. Cette fois-ci. Oh, ça marche mal, je suis dégueulasse là. Je suis vraiment tout, tout comme ça là. Attendez. Attendez. Non, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Hop. Donc on va jouer une map aventure. On va jouer à Island Escape. C'est parti. On lance la map. Alors Island Escape, créé par Lucky Nightmare. Comme on peut le voir ici présent. Enfin présent. Il n'est pas vraiment là, mais voilà. Oh, il y a de laine, j'ai envie de sauter. On peut pas. Et là, on passe par-dessus. Dommage. Voilà. Là, on a sauté dans l'aventure. Ok, j'ai failli faire de la merde. Me contacter règlement. Alors, on va regarder le règlement. Ok? Pour connaître le règlement, vous devez échapper à cette île. Et vous échapper de cette île, pardon. Tournez cette page. Utilisez tous les items de la map qui ont comme inscription item de quête. Sauf si les items sont échangeables aux villageois. Pour une meilleure expérience, veuillez mettre ces options. Gamma, vive, volume, 50-100, distance de rendu, 6 chunks. Fin. Quittez cette île. Votre but est évidemment de vous enfuir de cette île. Trouvez toutes les pièces cachées de l'île pour récupérer tous les items cachés. Quittez cette île. Vous aurez cru que j'allais vous dire comment vous enfuir. Bon, bah, il n'y a plus rien à voir. Ok, vous commencez l'aventure. Allez, let's go. Yes. Ok, donc on va regarder. On est en vive. Le son, on est en rendeur de distance. Il a 17. Je sais plus. 6 chunks. 6 chunks, 6 chunks, ça fait peu, hein. 6 chunks, voilà. Hop, comme on est. Hop, on va mettre les shaders. Comme on est des malades. Je suis tout blanc quand c'est comme ça. Mais c'est l'écran qui reflète en fait, c'est vrai. Hop, comme on est des malades, on va mettre les shaders. Et on va sauter dans l'aventure. Évidemment. Hop! Tu dois lire les règles avant de commencer ton aventure. Bon matin, matelot! Prends le temps de te réveiller, on arrive bientôt, ok. Oh non, le moteur principal vient d'exploser! Je vais devoir activer le levier de deuxième moteur. Merde, j'ai détruit le levier du deuxième moteur! Bon. Je sors les rames et on accoste sur l'île la plus proche. Je peux pas bouger, hein. Tiens, va visiter cette île et tu trouveras de façon de t'échapper d'ici. Ne t'aventure pas trop loin de cette île, ok. Alors, j'imagine qu'on peut poser le bouton ici. Tac. Yes. Ok. Je fais un peu le tour, hein, des bâtiments aussi, hein, on va voir. Ok. Là, on l'a vu. On va voir sur l'île. Ça a l'air sympatoche cette petite île là. Alors on descend par où? On descend par là, hein. Le but c'est pas non plus de trop se mouiller. Ok. Donc là on est en game mode aventure normalement. On peut rien casser, on peut rien faire, ok. Alors, ce petit arbre là. Faut une pelle. Il doit y avoir un trésor ici. Ça c'est quoi? Une tortue, ok. Il y a une maison là-bas, on va aller voir ce que c'est, hein. De toute façon, je pense que c'est... Attendez, il y a autre chose là.
Hop. Oh, une petite plage avec un ballon et tout, impeccable. Hop, on va aller voir. On va aller dans la maison. On n'a rien pour se défendre. Hein. Oula, bravo. Salut, bro. Ah, faut que je trouve un bouton donc pour rentrer à la maison. Ok, ça va être pour aller dans le Nether. Il m'a dit quoi? Ne t'aventure pas trop loin de cette île, bonne chance. Ok. Y a rien dans l'eau. Hein. Y a rien dans l'eau. Ah, c'était là qu'on descendait en plus. Attendez, je vais retourner juste voir dans le bateau vite fait. Hop. Ok. J'avais qu'un. Oh. Ok. Non. Alors, je vérifiais que j'avais bien rien à faire d'autre dans le bateau. J'ai pas loupé un coffre. On peut pas monter là-haut. Ok. Non, le bateau il est vraiment vide là, j'ai vraiment tout fait, il n'y a pas de. Aïe. Ok. Donc là, faut que je trouve un coffre. Là-bas. Là, il y a une autre partie de notre bateau, je pense. Ouais. Ah, j'ai vu un coffre, attendez. Une pépite d'or. Ok. J'ai trouvé une pépite d'or. Mais ça m'aide pas à savoir comment je rentre ça. Yo bro. Hey, tu veux une pépite d'or? Pas du tout. On va faire toutes les petites îles à côté, hein. Ok. J'ai bien fait de faire toutes les petites îles à côté. Ouais. Ok. Y a vraiment rien là. Ouais, c'est pas possible, y a pas rien. Juste refaire le tour, bien regarder partout. Ouais. Du coup, y a peut-être un autre bouton au fond là-bas là. Non, j'ai pas l'impression. Bon, déjà, on a trouvé un bouton, c'est bien. Non, sérieux? Je me suis vraiment coincé là? Non. Bloqué. Non mais j'ai cassé la map. J'ai cassé la map et je suis bloqué les gars. Oh, j'ai tout cassé le fond vert. Attendez. 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 Attendez, je reviens. Attendez. Attendez, je reviens. Je regarde pourquoi j'ai tout cassé le fond vert. Attendez. Hop.
Ok, re. Re, j'ai réparé le Alpha Mosso. Hop. J'ai réparé Alpha Mosso Fontavera. Par contre, ça m'aide pas à savoir comment je fais là. Alors. Je pense que c'est pas un endroit où je devais aller tout de suite. Attendez, mais je suis peut-être bête, hein. J'ai peut-être juste pas vu un truc, hein. Ok. Yes. Aïe, je vais y arriver. Faut que je prenne un peu d'élan. Pas du tout. Un peu moins d'élan. Un peu plus d'élan. Est-ce qu'il faut que je saute dessus? Hop, hop, play. Pas du tout. Faut que je saute vraiment au bout des blocs. Bloc! J'y étais pas du tout. Hop là, excusez-moi. Hop. Eh mais j'y suis là! En fait, faut vraiment sauter dessus, quoi. Yes, trop bien. Non mais c'est un truc de fou, je suis naze ou quoi? J'adore cette pièce avec, je sais pas, j'adore l'ambiance. Allez! On va se mettre en game mode là si ça continue, hein. Raté. Encore raté. Raté. Encore raté. Raté. Yes! Alors, ensuite. Hop, hop. Oh fuck. Oh là, pour le coup, je suis vraiment naze. Hein. Hop, play. Ok. Nice. Un fragment d'obsidienne, yes. Impeccable. Mais y a pas un autre truc à côté là, un bouton, un truc comme ça pour me... Y a pas que ça. Genre là, faut que je retourne en arrière. Ouais, c'est passé crème ça. Ah, je suis pas sûr. Ok. En fait, même pour sortir de là, c'est un mini-jeu, quoi.
Ok. Bon, let's go. Est-ce que maintenant je peux sortir? Mais toujours pas. Je peux devoir mettre ça là ou je sais pas. Non mais. Non. Impossible. Du coup, il y a sûrement autre chose à faire. Un autre bouton à trouver. Pas là. Pas là. Elle est dans tous les coins. Hein. Je suis désolé si je vous donne la gerbe là, mais. Je cherche un bouton. Il y aura la rediff YouTube, hein, je pense que. Pour une map comme ça, les gars. Ok, celle-là. Non, mais en fait, j'essaie de sauter, mais il faut pas sauter. Parce que. Voilà, tout simplement. Est-ce que dans cette pièce, il y a un bouton? Où ça se trouve, il y a une échappatoire par là-haut, là. Pas du tout, hein. On n'y est pas du tout. Hop, pas du tout. Non, mais je voulais voir s'il y avait un échappatoire par là ou par là, là. Non. Y a rien. Bon, bah tant pis, on va faire. Hop. On va aller là. Là. Il y a ce coffre là, là. Là, il n'y a rien. Là, là, il n'y a pas un bouton là. C'est un truc de fou. Là, il n'y a pas un bouton. Regardez, on voit la suite là-bas, là. Il y a un bouton quelque part, c'est sûr. Et genre, il n'y a pas moyen de... En vrai? Ah non. Ouais, si, je pense qu'il y a moyen, mais je suis trop naze. Non mais c'est sûr qu'il y a un bouton quelque part. Y a un bouton sur le chemin que j'ai pas dû voir, c'est obligé. Regarde un peu, hein, mais c'est quasiment sûr en fait. Il y a une suite et je peux pas y aller. Il y a une plaque de pression, un truc comme ça. Non, non. Oh les gars, on est qu'au début et je galère déjà. Aïe. Ah merde. Pourquoi là c'est pas passé alors que j'ai pas sauté? Voilà. Non. Ça doit être dans cette pièce. Il y a un bouton quelque part dans cette pièce. Là il y a une torche. Là il y a une torche. Là il y a une torche. Torche, 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 torche. Là il y a une torche. Et là-bas, le pire, c'est qu'on voit la suite, quoi. Enfin, je pense, hein. Ça doit être la suite qu'on voit, c'est pas... Oh, ça
Ça se trouve, il y a un bouton là, qu'on ne voit pas. Oh, imaginez, il y a un bouton qu'on voit pas. Attendez. Hop, hop, hop. Juste pour voir s'il n'y a pas un bouton qu'on voit pas. Non. Ça ressemble pas à la même chose d'un coup, hein. C'est moins stylé. Mais d'accord. Ah, retour Windows. Ok. Il n'y a pas un bouton qu'on n'a pas vu là. Un bloc d'obsidienne. À quoi il peut me servir ce bloc? Est-ce qu'il faut pas que je le pose quelque part, genre? Bon, attendez, parce que c'est vraiment pas très cool. On va mettre quoi? Celui que j'aimais bien, c'était quoi avant? Je sais plus c'est lequel que j'aime bien. Ouais, je crois que c'est pas celui-là, non. Non, 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 non. Non, ça doit pas être celui-là non plus. Non, mais je pense que le Chocapic, de toute façon, c'est le mieux, quoi. Ok. Attendez. Parce que je suis en train de me dire, j'ai eu un bloc d'obsidienne. Est-ce qu'il faut pas que je pose mon bloc d'obsidienne genre par là? Non. Il y a un endroit où je dois pouvoir le poser. Il y a un endroit où il doit manquer un bloc et je dois pouvoir le poser. Non mais c'est obligé à un moment. Il y a un endroit où je dois poser un bloc. Je le sais, mais c'est juste que je sais pas où est cet endroit, c'est tout. Et je pense vraiment pas que ce soit par là, parce que si c'était par là. Si c'était par là, ils me l'auraient dit, quoi. Ils m'ont dit quoi là? Tout va bien là-dessous. Alors, notamment, bonne chance, tout va bien là-dessous, ouais, ok. Non, il y a vraiment rien là. Là, c'est vraiment l'endroit où je dois aller, je pense. Salut Emoji, comment vas-tu? Là. Hop. Merde. Ah! J'ai réussi 1000 fois sur 50 et puis là d'un coup, je n'y arrive plus.